Oh. Et rebonsoir pour la suite du live sur la fabrication, la conception de roues et de pneus pour les micro-robots de combat. Voilà, donc pour ceux qui étaient en live, il y a eu une petite coupure. Écoutez, on expérimente. En tout cas, maintenant qu'on a vu un petit peu les retours que j'ai pu faire sur la partie moulage des pneus et puis mes essais, ben moi ce que je vous propose, c'est de partir vraiment sur la conception. Et alors là, par contre, j'ai rien fait du tout. Donc du coup, bah c'est parti, on est parti. Barbe à coupure. Salut Ghostwake, Roger Chine, ah, quel est ce lien mystérieux que tu nous envoies, Lina, ah, culte, attends, je vous le mets, ah non, pas ça, voilà, interlude avec le petit train, le RTS, c'est rigolo ça, ah, ce serait pas mal comme coupure, j'ai envie de le prendre, je le mets en favori, c'était long, 1 minute c'est long, alors du coup il faudrait peut-être que je fasse un autre truc de plus court, genre 5 secondes ou un truc comme ça. Est-ce que c'était long, barbe à coupure? Je vais me changer pour barbe à coupure. Alors, attendez, je vais couper le truc pour éviter que ça parte. Voilà. Alors, j'ai repris, j'ai eu le temps de réouvrir en fait le robot de la dernière fois, donc le robot de 600 grammes, l'autre robot. Je vais enlever le side carter. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de réouvrir voilà, cet assemblage-là, puisque ça va me permettre de récupérer voilà, les dimensions qui sont ici pour la partie assemblage avec le moteur. Comme vous pouvez le constater, le moteur, hein. Voilà, l'axe est très très court, donc il va falloir que je trouve une solution pour que ça fonctionne bien. Alors, ensuite, ça c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir qu'on récupère aussi le diamètre de la roue. Le diamètre de la roue, en paramètre, on avait mis 35 mm, donc 35 mm extérieur. Le trou est pas un peu minuscule ah oui, bah c'est très très petit hein, comme moteur, hein. On est d'accord. Je vais te donner le diamètre. Ah, c'est du 3 mm de diamètre. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très petit. Ensuite, on va avoir besoin hop, de cette distance-là. Voilà, donc on est à 11,5. Ok. Alors, il va falloir que je réalise une roue dans ces dimensions-là, donc 35 par 11,5 maxi par bah non, en fait c'est tout et avec un axe de 3 mm à l'intérieur et la possibilité de rajouter je vous l'ai dit, le petit roulement à l'intérieur. Du coup, comment on va se lancer dedans? En fait, la question que je me pose, c'est quelle forme je vais donner ma roue à l'intérieur. En général, une roue, on la fait cylindrique. Mais là, le souci, c'est que si je fais une roue cylindrique, j'ai peur que le pneu tourne en fait dessus. Du coup, j'ai plusieurs idées là-dessus. Je vais sortir de quoi dessiner et on va réfléchir directement sur un peu de dessin. J'ai besoin de dessiner. Alors, on passe. Je suis perdu. Voilà. Oui, ça risque de pas bien rouler. Oval, ça risque de pas bien... l'arène pour les robots, ça serait sol vinyle. Non. Parce que j'ai peur que les robots, ils soient un peu agressifs avec le sol vinyle.
Alors, j'ai plusieurs idées là. J'y ai réfléchi un peu tout à l'heure. La première idée, en fait, c'est de... Oula. C'est de faire des... Voilà, je fais des crans comme ça. Donc là, je suis en train de dessiner la jante. Hein. Dans la jante. Pour que finalement le pneu se prenne dedans. Le souci, c'est que comme je vais mouler l'un... Enfin, je vais avoir ma jambe d'un côté et puis après le pneu de l'autre. Ce que j'ai peur, c'est de pas réussir à venir mettre l'écran correctement. Et si jamais, en fait, ma roue tourne, en fait, et je peux avoir un cran qui vient de se mettre là, et donc du coup avoir un bourrelet sur ma roue, et du coup de bloquer complètement mon système. L'autre idée, c'est de se dire de faire comme ce que le gars avait fait sur sa vidéo, là, qu'on a vu précédemment. C'est de faire des clés comme ça. Sauf que faire des clés comme ça, bah, avec un moulage à part du pneu et après la jante à cet endroit-là, donc pas faire de moulage directement sur la jante, ça me semble un petit peu compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais uniquement si je fais moulage de la roue, du pneu et du pneu directement sur la jante. Voilà, je vais y arriver. Un style hexagonal. La roue carrée, le retour. Alors, voilà. Du coup, il y a quand même quelque chose que j'ai vu qui était intéressant. C'est que ça permet de ne pas faire tourner la roue comme ça. Enfin, le pneu dans ce sens-là. De pas avoir du glissement du pneu autour de la roue. Sauf que ma roue et le pneu, je peux le coller. Voilà. Un truc, par contre, que j'ai vu, c'est d'éviter aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que si je regarde ma roue en face, que éviter que mon pneu il se fasse la malle de manière latérale. Voilà, donc qui vienne se décaler. Et moi, j'ai vraiment pas envie de ça. Pourquoi? Bah parce que j'ai les encoches ici. Donc si mon pneu il se met à droite ou à gauche ou qu'il fait un petit bourrelet, directement mon système il est bloqué, mon robot peut plus avancer. Donc il va falloir que je limite ça aussi. Les roues vont dans les deux sens de rotation. Oui. De déjanter. Oui, le robot de déjanter. Donc, il y a plusieurs idées, et un truc que j'ai trouvé qui était pas mal, et du coup qui est facile à imprimer aussi, c'est qu'il y a un gars, il a fait ça sur sa jante. Voilà. Comme une empreinte pour venir mettre un joint torique. Et du coup, ça permet de centrer en fait le pneu. Voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Et donc, je me dis que ça peut être aussi une technique. J'ai vu passer sur le chat, et c'est vrai que j'y avais pensé, chanfrein sur les côtés de la roue. Chanfrein sur les côtés de la roue. Sur les côtés du pneu, tu veux dire? Plutôt. Non, oui, peut-être. j'ai vu aussi un autre truc, c'est la roue carrée ou la roue hexagonale. En fait, c'est pas con. Voilà. C'est pas complètement con. C'est un truc auquel forcément j'ai pensé. Maintenant, le problème, c'est toujours pareil, c'est que si jamais ça vient forcer et que ça vient sauter, en fait, le pneu qui va être lui cylindrique, hein, ouais, d'accord, hein, il peut sauter un cran et venir se mettre de travers, donc on a exactement le même souci. Et surtout, en fait, l'épaisseur qu'on a ici, elle n'est pas la même que ici. Et donc du coup j'ai peur que ça fasse bleu 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 comme ça quand ça va tourner. Sur un robot de 150 grammes, je pense pas que ce soit un problème. Sur des robots un peu plus gros, ça pourrait être un petit souci. Donc et pareil pour en fait un peu moins visible là-dessus, mais en fait le problème est le même. Du coup moi ce que je me dis c'est que la solution la plus simple, je pense, bah c'est peut-être ça en fait. La plus pertinente, c'est ça. Alors, est-ce que ça sera un arrondi? Est-ce que ce sera un V? Je ne sais pas. Mais je me dis que c'est peut-être la solution, la plus intéressante. Voilà. Du coup, je pense partir plutôt. Là, tu penses coller le pneu sur la jante? Bah, dans l'idéal, je pense que. Dans l'idéal, j'aimerais pas. Parce que je voudrais pouvoir les changer rapidement sans avoir à les décoller.
Mais s'il faut, oui, le mieux, ce serait de les coller. Les jantes, les pneus sur nos jantes à la Coupe de France de robotique, sont collés. Voilà, ça c'est un fait. Après, sur des petits robots comme ça, j'ai envie de dire que si le pneu patine, tant qu'il sort pas de la gorge, c'est pas encore un trop gros problème, quoi, en fait. Donc cette solution-là, elle me paraît bien parce que, mettons que j'arrive, je commence à patiner, en fait. Après, patiner, faut voir aussi avec ce que c'est, hein. Mais si le pneu tourne autour de la jante, bah grosso merdo, il va pas se passer grand-chose en fait. Et puis la gorge, elle va m'éviter d'avoir un mouvement voilà du pneu qui peut être latéral. Donc ça me semble être un bon compromis en fait. Sur les RC, après, ouais, on a souvent un système joint torique en plus large. Ouais. Alors, nous, c'est des pneus de RC sur la Coupe de France de robotique d'ailleurs. Et une forme stylée rosace dans la jante. Comme ça, le pneu la traverse et ça peut pas tourner. Ah, c'est marrant, ça peut être rigolo aussi. Ou joint torique inversé, buté sur la jante. Je sais pas le nom. Ah, attends, tu veux genre l'inverse de ça. Ouh, oui, c'est tout. Genre comme ça, quoi. C'est ça, hein. Ouais, d'accord. La gorge latérale me semble bien, par contre, plutôt faire l'inverse. Alors, vous savez pourquoi ça me semble mieux aussi? C'est que sur les. Alors, ceux qui font de la voiture radiocommandée le savent, mais si on prend une jante de voiture RC, on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Grosso merdo. Le pneu, il vient se mettre ici. Voilà. Et c'est pas une pneumatique gonflée. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on vient mettre à l'intérieur, c'est des inserts. Voilà, c'est une bande en plastique. Et c'est des inserts qui sont plus ou moins durs, selon l'effet qu'on veut avoir. Donc ça veut dire qu'avec un même pneu, on peut avoir une roue qui est et un pneu qui est plus ou moins dur selon l'insert qu'on vient mettre à l'intérieur. Du coup, ce qui est intéressant, il bave un peu sur le crayon. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que je vais avoir. Bon, là, on papillonne, mais du coup, là, ici, à cet endroit-là, ce sera forcément un peu plus dur. Et en termes de déformé, je vais peut-être avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, du coup, j'aurai quelque chose de. Ouais, un peu mieux en termes de précision. Ouais, c'est rigolo. Parce qu'en fait, les inserts, ils sont pas carrés sur les voitures. Ils ont plutôt cette de mémoire. Ils ont plutôt de cette forme-là, en fait. Voilà. Ce qui fait que quand on met le pneu qui est droit de base, en fait, il va se déformer pour prendre cette forme-là. Voilà. C'est très très schématique ce que je fais. Du coup, c'est pas mal. Ce que tu viens de dire, tu peux pallier ton souci de dureté. Ouais. Bah ouais, carrément, ouais. Et donc, du coup, ça peut être intéressant même de ici, de venir travailler en fait sur ce paramètre-là et de le changer si jamais on a besoin. J'aime. J'aime beaucoup. Écoutez, je pense qu'on va partir sur ça. Ça m'a l'air très bien. Et donc, du coup, pour finir sur ce truc-là, on va devoir faire à l'intérieur d'un côté l'arbre, ce qu'il faut pour mettre l'arbre du moteur, et de l'autre côté la place pour venir mettre notre roulement. Bon, avec un petit. À la limite, je peux faire l'axe complètement à l'intérieur puisque c'est du 3 mm et de l'autre côté aussi. Donc tant qu'à faire. Bon, on va se dessiner ça. Allez, c'est parti. Hop. Zo. On vient sur le bureau. Alors attendez, parce que j'ai pas tout suivi, j'étais un peu loin du chat. Bon, j'ai un système sans insert.
Juste plein sur ma clone de Subaru. Oui, alors après, j'ai pas dit que c'était tous les pneus de RC qui sont comme ça, hein. Je dis juste que effectivement, nous, c'est la solution qu'on a, et c'est quelque chose que j'ai souvent vu, en fait. Donc, dans ton pneu, tu peux ajouter un insert. On pourrait. Après, enfin, on parle quand même de roues de robot de combat de cette taille-là, hein. Voilà. Et 35 mm, voilà, faut pas déconner non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des robots qui sont faits pour voilà, se défoncer. Donc du coup, si le pneu marche plus, on le dégage et on en met un nouveau, quoi. Mais bref. Alex Next, ma belle rosace. Ah, ok, d'accord. Salut, King of Chauffe. C'est quoi ton arme? Mes roues. Ok. En rouge, c'est le pneu, Alex? C'est génial, ça. Je pense que c'est un peu plus galère, à mon avis, d'écrire la réponse sur le tableau que de l'écrire, que de le taper sur le clavier. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je retiens. Peut-être pour une roue plus grande. Je pense. C'est de toute bonté. Ça dépend si t'as une tablette, c'est vrai. Après, t'as une écriture de médecin sur une tablette. J'ai une écriture dégueulasse sur tablette. Allez, Zou, on repart. Je garde de côté quand même cette idée. De toute façon, je l'ai en live, du coup, je pourrais la reprendre. Parce que peut-être pour d'autres roues, un plus grand robot, ça pourrait être intéressant à faire. Mais du coup, je vous encourage à faire vos essais de pneus chez vous, parce que vraiment, c'est. Avec cette technique-là, ça devient très très simple, quoi. Voilà. Alors, on va se mettre des paramètres directement. Alors déjà, on va mettre le diamètre extérieur du pneu. Donc ça, c'est 35, ça, on n'aura pas à le changer. Oula. Que se passe-t-il? Bon, il y a des... pas de maths. Ça ressemble pas à des maths, hein. Je pense que ça ressemble plutôt à un clavier qui est tombé ou à un truc comme ça. Super, génial. Alors, ça m'a complètement fait perdre le fil. On a le diamètre extérieur du pneu, le diamètre intérieur, le diamètre de la jante. Voilà. Alors, il va y avoir deux diamètres à la jante. Soit on travaille sur l'épaisseur du pneu. Alors, est-ce que je travaille sur l'épaisseur du pneu ou le diamètre intérieur? Je ne sais pas. C'est quoi le meilleur paramètre? Je travaille sur l'épaisseur du pneu plutôt. C'est plus parlant pour moi. Donc par exemple là j'ai fait un pneu de quelle épaisseur? Je me souviens même plus. Là, 3 mm. On va garder 3 mm d'épaisseur de pneu. Ok. Largeur. Alors là, on s'était dit 11,5. Ok. Alors par contre, il y a un petit truc, c'est qu'on va mettre un peu moins. Pourquoi? Parce que sinon je vais être contre ici. Et sur le roulement, il va quand même me falloir rajouter une petite rondelle pour plaquer avec la bague intérieure. Sinon, ça ne marchera pas. En tout cas, ça marchera mal. Ça donne quoi le coefficient de frottement du pneu? Il est étonnamment bon. Il est étonnamment bon. Ça ressemble à du silicone, en fait, hein. Vraiment, c'est ça qui est impressionnant. Enfin, c'est du silicone, ouais. Mais il est, ouais, non, il est moins bon, je pense, que les pneus de RC que j'ai sur mon robot de la coupe. Mais il m'a l'air meilleur qu'un joint torique, par exemple. Si je comparais à deux trucs en tête là, comme ça, vite fait, voilà, c'est assez. Après, je me dis que faudrait voir avec un poids, avec un. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça a tendance quand même à salir assez vite. Et c'est ça qui me.
qui m'inquiète plus, tu vois. Le fait que dès qu'il est un peu sale, il va commencer à glisser un petit peu. Bon, vraiment, après, ça se nettoie. Alors là, on a le diamètre extérieur du pneu, l'épaisseur du pneu, la largeur de la roue. Qu'est-ce que je vais devoir rajouter pour que ça fonctionne, mon histoire, là? Il y a l'épaisseur de l'insert, on va dire. Allez, épaisseur insert. Et alors là, comme j'ai 3 mm d'épaisseur de pneu, on va mettre un insert de 1,5 mm. Pas que ce soit cassant non plus. Écoutez, on va designer comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Donc, est-ce que je le fais en révolution? Ou est-ce que je le fais... Bon, allez, c'est parti. Révolution. Touc, 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 touc. Donc, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite sur le design. Alors, ça vaut 1,5 mm. On a vu, c'est le diamètre de mon arbre, c'est 3 mm. Et donc, du coup, j'ai 1,5 mm. Ça, non, pas du tout. Ça, c'est aligné. Ça, c'est centré par rapport à notre pièce. Donc, hop, je me centre. Voilà. Il y a déjà des choses qu'on va pouvoir contraindre, notamment ça et ça, c'est égal. Voilà. Est-ce qu'on fait un truc à 45 degrés? Oui, parce qu'il faut quand même que ce soit imprimable facilement. Donc, autant, voilà, faire quelque chose qui soit tout de suite plus facile à imprimer. Donc ça, c'est mon épaisseur d'insert. Voilà. Donc, on va le descendre. Ensuite, j'ai besoin des références de mes roulements. Donc là, je vais utiliser des MF83ZZ pour les roulements. MF83ZZ. Donc, le diamètre intérieur, c'est 8. Ici, 4. Le diamètre de la collerette. Est-ce que je mets la collerette dedans? Oui, je mets la collerette dedans. Alors, c'est 9 et du coup je vais mettre 10. Comme ça sera pas contraint. Juste pour pouvoir le poser à l'intérieur. Et le rentrer dedans. Et pas avoir le roulement qui part dans tous les sens. Non, bah non. Du coup, 5, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de l'épaisseur totale du truc. Ça fait 3 mm. Ah, par contre, c'est l'épaisseur de la collerette qui n'est pas évidente à mesurer. Collerette fait 1 mm. Et l'ensemble fait 3. Et donc je vais mettre 3,2. En fait, l'avantage du roulement à collerette, c'est qu'il va venir se positionner sur l'intérieur de ce lamage-là et sur la surface ici. J'ai pas besoin de le plaquer à l'intérieur. Et comme je vais faire une impression 3D, bah, le truc sera jamais trop propre sauf ces surfaces-là. Et donc voilà, par expérience, je sais que ça, c'est plutôt un truc qui fonctionne relativement bien. Ça et ça, je vais pouvoir les rendre égaux. Voilà. Et ben en fait, là, j'ai plus que... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Reviens. Voilà. Et ça va être ma largeur de roue, je crois. Largeur roue, ouais. C'est comme ça que j'ai appris. Ok, largeur roue. Impeccable. Me reste que le diamètre extérieur du pneu. Alors ça, c'est le diamètre extérieur du pneu moins l'épaisseur du pneu. Ben voilà. C'est fini. Le pneu et la jante est faite, a priori. Reste plus qu'à... Ouh. Juste mettre... Voilà. Un axe. Impeccable. Et je vais pouvoir faire tourner ça. Est-ce que tu la vides un peu? Est-ce que tu la vides un peu? Ben en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va la terminer et on va la mettre dans Cura et on va regarder le poids que ça fait. New body, non, on va faire un new component. Et ça, on va l'appeler jante. Jante dame, jante. On va la fixer. On va sauvegarder ça. Ce serait bien ça.
Et là, on va mettre alors, maintenant, j'ai besoin juste modifier cette partie-là avec. Non, j'ai besoin de garder ça et ça. Alors. Yes, c'est ici. Ah, ok, super. Ah oui, d'accord, ok, j'ai juste repris l'élément. Bon, bah, c'est pas grave, je vais le mesurer ici directement. Donc, ça fait 2, ah oui, c'est précis. D'accord. Eh ben, 2,136, c'est parti. Voilà. Nickel. Et. Ah oui, si je fais ça jusqu'au bout. Non, je vais faire ça jusqu'au bout. J'ai juste fait une petite erreur sur mon. Oh, c'est pas grave. Voilà. Je vais juste pousser ça un peu plus loin. Ah, il me l'a mis à l'envers. Tiens, allons. Ah oui, il m'a complètement tout retourné. J'avais mis 3,20, c'est l'épaisseur de. Je peux mettre un peu plus. Voilà. Bon, vraiment bien se mettre à l'intérieur. Et je vais imprimer ça. Comme ça. Ça me semble être une excellente idée. Ok. Bon bah voilà, nickel. On sauvegarde ça. Alors qu'est-ce que ça donne, tiens, juste ça, en termes de poids, en impression 3D. Ouf. Ouais. On va lancer Cura, on va regarder ce que ça donne. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est les estimations que va me donner le logiciel de slicing seront bonnes. Il faudrait que je compare. Il faudrait pour ça que j'ai une vraie imprimante, une vraie machine pour peser. Allez, Cura. Oui, ah, c'est relativement grand. Ah! Me suis fait avoir. C'est diamètre extérieur divisé par 2. Hé. Voilà. En fait, le pneu, il ressemble plutôt à ça. C'est drôle. Enfin, la jante, par exemple, se ressemble un peu plus à ça. Bon, allez, Arcomanche. Ah, j'aurais pas dû fermer Cura. Il est très long à s'ouvrir, Cura. Mais du coup, réponse des fausses routes, je vois pas bien ce que je vais réussir à vider dans une roue comme ça. Mais c'est possible, hein. Je sais pas si j'oserais d'ailleurs. Allez-y. Slice 5 grammes. J'aurais essayé des jantes d'Audi à bâton. Ok, 5 grammes. Bon, c'est une information. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. En tout cas, là, en l'espace, t'as pas peur? Un robot qui te pousse latéralement te fasse déchausser. Bah, c'est un peu le risque. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mouler. C'est pour ça que je vais pas mouler sur la jante. Je vais mouler à côté pour avoir un système serrant en fait, que le pneu il soit un tout petit peu plus petit que la jante pour venir se clipser dessus. Et à la limite, ce que je ferai, c'est je vais mettre juste
un ou deux points de colle à certains endroits pour faciliter le décollage si jamais je dois le changer. Et après, vous allez me dire, il faut 33 minutes quand même pour imprimer ça. Attendez, preview. Je pense que je le collerai quand même, me connaissant. Oh, on peut alléger hein, la roue. Hein. On peut alléger la roue. Non, pourquoi j'ai fait ça? On peut alléger la roue. On va venir faire des. Pourquoi faire une pointe et pas un carré? Parce qu'un carré, c'est compliqué à imprimer, alors que là, une pointe, ça, c'est facile à imprimer. T'as plus vite fait d'imprimer des moyeux de rechange. Bah, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Du coup, je les collerai, en fait. Je vais les coller tout simplement. Et du coup, coller de base. Ouais. Je pense que c'est finalement peut-être la meilleure solution. Hop. 0,3. Là, je vais faire 0,1. Ok. Ici. On va faire un tout petit chamfrein 0,2. Voilà. Nickel. Salut, Mesquire 540. Du coup, au final, mouler direct sur le moyeu. Bah non, 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 je veux quand même que le pneu soit un peu plus serrant, quoi, en fait. Parce que coller, à moins de foutre la blinde de colle partout, ça a tendance à bouger quand même, en fait. Parce que je l'ai fait une année, ça, d'avoir une roue comme ça, en silicone, et l'amener à la coupe. Et en fait, le problème, c'est que le retour que j'avais, alors c'était pas sur du silicone comme ça, mais c'est sur un autre silicone un peu pourri, pas du Smoothon, c'est quand, en fonction de la température, le pneu avait tendance à bouger. Et en fait, au bout d'un moment, le pneu était même plus serrant du tout sur la roue du robot. Ce qui fait que comme on n'avait pas foutu de la colle partout, bah en fait t'avais un truc qui faisait une patate quoi en fait. Du coup c'était pas terrible. Donc ce que j'ai retenu de cette expérience là c'était qu'il fallait faire un pneu qui soit plus petit pour pouvoir le rendre serrant sur la jante si jamais je le refaisais comme ça. Et puis surtout en fait si jamais je voulais pas vraiment pas que ça bouge, ce serait vraiment de foutre de la colle partout. Mais je vais essayer juste de le faire serrant, plus serrant en fait. On essaye. Hein. Franchement, vu les tailles des trucs, en fait, c'est ça qui est cool avec ce genre de robot-là. J'ai l'impression, c'est que c'est pas très gros en fait. Donc du coup, c'est facile de se dire que bah on va faire un petit essai et puis on va voir ce que ça donne quoi. Ça n'engage vraiment à rien en fait. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Ok. Bon là, je le laisse comme ça. Je vais quand même mettre un tout petit. Le problème, c'est qu'un pneu plus petit devra quand même passer la butée. Oui, mais ça va aller, ça. On va pas non plus être trop violent. Quand je dis plus petit, c'est pas genre 3 mm plus petit, hein, tu vois, c'est 0,2 ou 0,05 ou 1 grand max, quoi. Mais, encore une fois, potentiellement, ce serait intéressant de tester plusieurs trucs. Cura rempli à 25%. Je ne sais pas, je crois que j'étais à 20% plutôt. 20% en tri hexagonal. Voilà. Mais de toute façon, tu sais, je vais remplir à 10%. Ça changera pas grand-chose, hein, à mon avis. Ah si, quand même, 4 grammes. Enfin, entre 4 et 5, j'ai pas la virgule, quoi. Donc du coup, je sais pas si c'est plus proche de 5 ou plus proche de 4, quoi. Hey. Alors, on peut faire un essai qui peut être assez rigolo. C'est que, est-ce que si je laisse. Alors, mettons, je laisse à 4, à 10%, et je vais faire des trous. Dedans. Je vais faire 3 trous pour éviter pour le temps d'impression, 30 minutes. Bon, voilà quoi. Module de Young, la solidité d'une dépend surtout de son contour. Alors, solidité, oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être. Par contre, j'ai combien de contours? Ah non, mais j'en ai 4. J'ai 4 lignes de contour. C'est violent, 4 lignes de contour. 3, c'est largement suffisant. Je me demande même si à ce niveau-là, je pourrais pas faire du 0%, quoi. J'ai entendu dire dans un de tes lives que tu voulais créer une compétition de robots de combat de 150 grammes. Moi, je suis chaud. Eh ben, écoute, parfait. Je suis en train d'essayer de construire un robot de 150 grammes. Donc, ça tombe très bien. C'est l'idée, le tester avant de pouvoir concevoir la compétition.
Je suis en train de me dire, il compte le brim aussi, hein. Je vais enlever le brim. 3 grammes. Eh, le brim, il pèse un peu, hein. Eh, 3 grammes, ça commence à être intéressant, hein. Et alors là, je voudrais quand même essayer un truc, c'est que, mettons que je garde ces paramètres-là, je suis sûr que si je rajoute des trous à l'intérieur, comme ça va rajouter les lignes de contour, je vais avoir un truc qui sera plus lourd. Et du coup, en voulant évider de la matière, eh ben en fait, je crois que je vais peut-être gagner en poids. En fait, c'est ça qui est rigolo. On peut faire l'essai directement. On va faire par exemple ça. Ouh, pas très visible le bleu sur bleu là. Pas un très bon choix de couleur automatique, ça, messieurs de chez Autodesk. Non. Allez, par exemple, on va faire un diamètre de 5. 5, c'est bien. On va le multiplier par 3 après. Voilà, du coup, on enlève ça. Clac. Voilà. Ça, on va le faire tourner. On va faire une rotation. Voilà, mettons que je vais évider ma pièce, par exemple. Voilà. On va essayer de le lancer dans Cura pour voir un peu ce que ça donne. Et si ça sera plus long à imprimer aussi. Bah, en termes de lenteur d'impression, c'est pas grave. J'avoue que l'impression 3D, en fait, ça fait des années que dans ma tête, c'est lent. Et en fait, je m'en fous un peu qu'une impression dure une heure alors qu'elle aurait pu durer 30 minutes, quoi. Bon, sauf quand il y a des cas un peu spécifiques, hein, genre là pour les visières, l'idée c'est quand même d'aller plus vite. Mais pour ces trucs-là, moi, ça me dérange pas trop. Bah, dans ma tête, c'est acté, quoi. Donc là, je suis à 4 grammes, en fait. Je suis à 4 grammes. Vous inquiétez pas, ce n'est que du café. Et oui, du coup, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que entre ces deux. Voilà. Entre ces deux impressions-là, c'est assez intéressant quand même de montrer ça. C'est que là, il n'y a pas de ligne de contour à l'intérieur, et donc du coup, je suis à 3 grammes. Alors que là, comme je rajoute des lignes à l'intérieur, ben, en fait, j'évite pas véritablement. J'évite, mais comme ma roue n'est pas pleine, en fait, je vais avoir une roue qui est beaucoup plus lourde, en fait. Du coup, c'est un peu le problème. Irish Coffee. Ah, j'adore les Irish Coffee. Mais non, c'est pas un Irish Coffee. Non, non. S'il y avait un Irish Coffee, il y aurait une paille. Voilà. Et puis ce serait un peu plus haut, quand même. Que du café. Oui, que du café. D'ailleurs, je vais peut-être m'en reprendre. Allez, hop, pause. 33 minutes, 27 minutes. Ouais, je tenterais bien d'imprimer celle-là, en fait. Allez, zou! Go pour l'impression. Alors, on est parti chercher la carte SD de l'Hephaestos, qui est complètement pétée. C'est bien parce que pour cette petite pièce-là, ça va, elle va pas trop galérer. Mais par contre, si je commence à utiliser des plus grosses pièces, là, ça va être un petit peu compliqué. Ça peut être un café bistouille. Oh, un café bistouille, il connaît le café bistouille. Ah oui, mais toi, t'es du Nord, toi. Du coup, c'est pour ça que tu connais ça. Ah, le café bistouille. Avec le chuc. Allez, zo. Alors, le 15. Écoutez, moi ça me semble bien. Alors, on va mettre en gros micro V1. Voilà. Save to file. Bah non, pas du tout. T'as pas reconnu ma carte SD? Ah non, il y a beaucoup trop de cartes SD, c'est pour ça. Reconnais ma carte SD. Reconnais mon pouvoir de la carte SD. Voilà. Ce lecteur rencontre un problème. Mais non, Windows, t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va très bien. Pas d'octopie. Et non, pas d'octopie sur celle-là. Et puis, pas de lien direct, parce qu'on a eu le problème la dernière fois. Et merci Nasnes de m'avoir résolu mon problème. Donc non, pas d'octopie sur la Hephaestos. En plus, ce qui est drôle, c'est que c'est pas.
Ça ne serait pas compliqué à mettre en place puisque... Alors, attendez. Ouais. Actuellement, j'ai 5 imprimantes 3D dans la pièce. Et j'ai... J'ai 3 machins qui sont configurés avec Octopi et je pourrais très rapidement les mettre en place. Le seul truc, c'est que ça, c'est une Raspberry Pi 1. Et donc, du coup, c'est devenu très très lent. Et ça, c'est des Raspberry Pi 2 ou je sais plus quoi, ici, là. Et le souci, c'est que quand je fais des impressions rapides, genre quand je dépasse les 60 mm secondes, le problème, c'est que en fait, la machine va plus vite à faire les petites impressions que l'Octopi, enfin que le Pi à l'envoyer en fait à la bécane. Du coup, je me suis rendu compte que des fois, je montais à 120 mm secondes. Je me dis, putain, ça va pas assez vite, quoi. Et puis, ça faisait des trucs dégueulasses. Et en fait, non, c'est le Raspberry qui est à la ramasse, en fait. Et donc, du coup, tout simplement, j'ai enlevé, j'ai mis sur carte SD. Et là, j'ai fait, oh, mon Dieu, ça marche vachement mieux. La définition était beaucoup mieux. Les extractions étaient beaucoup mieux. Donc voilà. Donc en fait, avec les nouvelles versions de l'Octopi, j'ai l'impression. Après, je peux peut-être me tromper. Mais le en fait j'arrive pas à aller aussi vite que je voudrais quoi. Voilà. Donc bon c'est pas grave hein, en soi. Tant pis. Hein. Mais c'est con parce que j'ai plein de Raspberry Pi et... voilà. Alors, on va mettre le complet du coup. Yes. Voilà. Merveilleuse machine qui m'a fait beaucoup de misère. Le plateau est complètement pété. J'en ai recommandé un. Bref, c'est assez chiant. Du coup, je peux plus imprimer des très très grandes pièces. Enfin, en vrai, ça c'est passé. C'est passé crème, hein. C'est pas un problème, mais bon, c'est toujours un petit peu un souci. C'est le moment ASMR. Ah oui, oui. J'ai pas les autres imprimantes qui tournent parce qu'il fait trop chaud dans la pièce. Et donc, du coup, je les laisse un peu refroidir parce qu'elles ont tourné là, de manière continue depuis 48 heures. C'est quoi tes caméras? Alors, on va commencer par celle-là. C'est une C920 chez Logitech. Celle-ci, c'est une. Ici, là, c'est une GoPro Hero 3. Donc, une vieille, en fait, qui fonctionne très bien. Là-bas, c'est une Neewer G1 4K qui m'a coûté 9 balles. Et là-bas, celle-là qui est pas encore. Qui est pas branchée parce que j'en ai pas encore besoin pour mes lives, mais qui est dispo. C'est un peu le même principe que la Neewer. C'est ce genre de copie chinoise, en fait, de vidéos, de caméras d'action, qui m'a coûté 9 balles aussi et qui fonctionne très très bien. L'avantage des Neewer, c'est qu'elles sont compatibles avec USB et ça c'est cool parce que la GoPro, je suis obligé de passer par une carte de capture HDMI et ça c'est déjà ça coûte cher et puis c'est un peu con quoi. Par contre, ça fait de la vraie 4K alors que celle-ci, voilà, là c'est un peu plus pourri quoi. Alors voilà, alors plateau pas chauffant forcément. Hein. Bon, après, c'est pas trop grave. Mais... Il faut que je l'aide un petit peu. Hein. Alors. Allez, c'est parti. Hop. Yep, cher la capture HDMI. Ouais, ouais, ouais. Tu as un lien pour la Neewer? En fait, je l'ai eu dans un machin, tu sais, de revente de composants, de matériel d'occasion, en fait. Je suis très con, je passais sur Calais, je suis rentré dans le magasin, j'ai vu ça en vitrine, j'ai fait, peut-être ça marche, 9 euros, je perds rien, et ça a très bien marché. Par contre, ouais, Kamikaze, on en avait trouvé une qui était pas très chère et qui est à peu près le même, enfin, qui est carrément la même en fait, c'est juste pas la marque Neewer, et qui fonctionne très très bien. Du coup, quand ton boîtier à 500 euros plante au milieu de ton spectacle de l'aging analogique depuis. Ah oui, tu fais la gueule, oh merde, ah oui. Ah, 500 balles. Ah ouais, non, je suis pas monté jusque là. Moi, mon prix plancher c'était 120 parce qu'en fait c'est une carte de capture que j'utilise avec mes boîtiers DSLR et mes boîtiers photo. Du coup, j'en avais besoin pour mes boîtiers photo. Mais bon, c'est pas perdu quoi. C'est plutôt cool. Alors,
Bon bah ça c'est parti. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va travailler eh ben, sur le pneu en vrai. Donc je vais pas reprendre. Alors comment on va faire? On va partir sur la partie dessin. Ça sera mieux. Voilà. De toute façon vous connaissez tous l'impression 3D. Je vais pas vous apprendre des trucs là-dessus. On va effacer ce qui nous intéresse plus. Tu les branches en USB. Oui. Manuware, elle est en USB, oui. Hop. Bah, et en fait, il n'y a que la GoPro qui est sur l'HDMI. Alors, on va reprendre le moule. Et on va regarder ce qui marchait, ce qui marchait pas. Alors, les vis guides. Pour le moule, ça marche bien. Voilà. J'avais rajouté, si vous pouvez voir, voilà, ces pièces-là avec des petits angles pour pouvoir se mettre correctement dans la pièce. C'est un peu too much. Je pense que c'est un peu too much, honnêtement. Mais bon, ça avait bien marché quand même. Ce qui a bien marché avec un pressage dans ce sens-là, par contre, c'est de ne pas avoir fait un truc plat à cet endroit-là. Je m'explique. Si je prends la pièce comme ça, voilà. Si j'avais fait une pièce comme ça, voilà, et que j'étais venu plaquer ici, voilà. Ce qui se serait passé. C'est que bah, mon silicone ici, il se serait mis à cet endroit-là. Voilà. Et du coup, en plaquant, en fait, j'aurais plaqué aussi mon silicone là. Et donc, du coup, forcément, ma forme, plutôt que d'être bah, correcte, j'aurais pas pu bien plaquer mes deux pièces. Du coup, 60 euros pour du gars et beaucoup d'accessoires. Ah oui. Par contre, les caméras là, elles sont venues avec deux sacs remplis d'accessoires. Ça, pour le coup, c'est vraiment vraiment cool. Pas forcément besoin de 4K. T'auras pas de 4K de toute façon sur celle-ci en USB. C'est impossible, c'est de l'USB 2. Tu passeras pas un flux 4K dedans, donc y a pas de souci quoi. Donc je reprends, là du coup il va y avoir du silicone qui risque de passer à cet endroit-là. Et donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que pour éviter ça, c'est ce genre d'échappement en fait, j'ai fait un trou en fait ici. Voilà. Ce qui fait que ma pièce, voilà, elle a cette forme un peu particulière. Et donc du coup mon silicone est venu se mettre à cet endroit-là. Mais ici j'avais très peu de silicone qui s'est mis. Voilà, ce qui donne du coup sur ce petit défaut là, mais qui est pas gigantesque sur ma roue, en tout cas qui pour moi est bah, acceptable, on va dire. Voilà. Et du coup ça a bien fonctionné. Donc ça je vais le garder. Les vis. Je vais les garder, je vais juste redesigner mon moule pour avoir les bonnes vis, donc en 90, donc avec voilà, une surface non filetée de ouais, 70 quoi. Voilà. Alors 70, j'étais parfait. Donc ça, c'était très bien. Ensuite, ce qui n'a pas marché, enfin ce qui n'était pas terrible, c'est que du coup, j'ai dû bourrer le silicone à cet endroit-là. Et du coup, c'était pas ultra ouf. Donc ce que j'aimerais bien faire en fait, c'est un moule en trois parties plutôt qu'en deux parties. Donc avoir les deux parties qui sont là, qui pourraient être quasiment identiques, qui vont être identiques à mon avis, et avoir le noyau qui puisse se retirer et qui soit un noyau qui soit pas fixé aux deux moules sur les côtés. Donc ça veut dire que je vais avoir, à mon avis, hein, il te faut une table vibrante. Une table vibrante pour enlever les bulles, tu veux dire? Je vais avoir d'un côté, si je refais mon design, ça, ça. Bah, en fait, j'ai pas besoin d'enlever les bulles avec le.
avec cette technique-là. Mais si je fais du moulage silicone, effectivement, c'est soit une table vibrante, soit une table pour pouvoir une cloche sous vide. À l'intérieur, les perçages en M8. Voilà. De l'autre côté, je vais avoir la même pièce. Voilà. Vérifier que ça soit bien. De l'autre côté, je vais avoir ou tasser au fond de la pâte. Mais en fait, le problème, c'est que la pâte, elle est pas. Comment dire? C'est, faut vraiment l'avoir en main. Mais imagine, essaye de faire vibrer un chewing-gum, tu vas voir, il va pas se passer grand-chose, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça. On est vraiment sur du chewing-gum. Donc, ça doit descendre par gravité si tu. C'est, franchement, non. Franchement, c'est très étrange. Essaye chez toi. Tu prends un peu de silicone, t'en fous dans de l'eau avec de. Parce que j'ai montré en vidéo au début du live. Tu vas te rendre compte à quel point c'est différent du silicone que t'as l'habitude de mouler. Normalement, si t'en fais régulièrement, en fait. Pour en avoir fait déjà, franchement, c'était très très différent. Ça glisse pas, quoi. Il faut vraiment appuyer. Franchement. Ouais, c'est entre la pâte à modeler et le chewing-gum, quoi, vraiment. C'est comme de la pâte à modeler, ouais, c'est ça, c'est... T'as l'aspect de la pâte à modeler en termes de malaxage, et t'as cet aspect chewing-gum élastique, en fait, que t'as pas du tout sur du silicone liquide, quoi, en fait. C'est très, très surprenant. Et c'est ça qui m'a fait... Je pensais vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus liquide, et puis, du coup, de pouvoir le glisser là-dedans, et en fait, non, pas du tout, pas du tout. Et c'est ça qui est très, très impressionnant. Surprenant, on va dire. Et du coup, mon noyau, qui va être ici. Alors ça, je vois bien comment les faire. Le noyau, par contre, il faut y réfléchir un petit peu. Alors, si on regarde de côté, clac, j'ai mes deux pièces là qui viennent comme ça ici. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais un noyau qui fait genre ça, quoi? Est-ce que je fais ça? En gros, est-ce que quand c'est fermé, ça dépasse au-dessus? Voilà, comme ça. Ou est-ce que, au contraire, ça vient passer à l'intérieur? Comme ça. Enfin, vous me comprenez, hein, excusez-moi. Voilà, comme ça. C'est pas très clair, mais... En gros, cette pièce-là, soit elle a en 3D, essayons de faire ça en 3D. Soit elle a cette forme-là uniquement. Soit en fait à l'intérieur. Après, je peux faire dans l'autre sens. Je peux aussi créer un. Elle peut être comme ça aussi, la pièce. Tu devrais couper ta roue en deux pour avoir la pointe coupée en deux. Couper ta roue en deux pour avoir la pointe coupée en deux. Ah, je ne l'ai pas, là. Je ne l'ai pas. Don't get it. Tu devrais couper ta roue en deux... Ah, ok, d'accord. Pas comme ça, mais comme ça, en fait. Ok, vous voulez faire pas du tout comme ça. Donc pas du tout comme ce proto-là. Mais plutôt...
En deux pièces comme ça, quoi. Mettons une pièce comme ça et une pièce comme ça. Voilà. C'est ça? Pièce A. Pièce B. On est d'accord, c'est ça? Bah, c'est juste qu'avec le matériau, ça me semble plus facile comme ça que comme ça. Parce que j'y ai pensé à ça, c'est plus logique de faire comme ça en termes de pièces. Et c'est comme ça que je l'avais déjà fait en fait avant. C'est juste que... Ou alors faut que je fasse en trois pièces quoi. Enfin, le matériau est tellement chelou, pensez vraiment à de la pâte à modeler. Hein, qu'il faudrait vraiment que... Ou alors je fais ça quoi. Je fais ça. Et avec ta gorge aussi pour le dégagement. J'hésite. Franchement, pour l'avoir manipulé, j'ai peur d'avoir plus de défauts avec ça, genre des petites bulles d'air qui se mettraient là, etc. ou autre, qu'avec ce système-là. Ça me paraît plus logique, ce système-là, avec un liquide, en fait. Mais avec une pâte, j'ai peur d'avoir des bulles. Par ce système-là, enfin, je vois bien l'effet où ça vient se bloquer entre les deux, quoi. Coupe au niveau des pointes. Et ton dégagement aussi. Au niveau des pointes. Ah oui, attendez. Vous voulez que je fasse ça? Deux pièces comme ça en fait, c'est ça? Je comprends bien. Hein. Le souci c'est que là je vais en mettre ici. Je vais avoir du... C'est pas liquide, hein. C'est pas liquide donc je vais avoir de la matière qui va se foutre au milieu. Enfin, encore là, c'est pas grave, mais ici... Je vais presser comme ça. Pourquoi pas. Par contre, faudrait que je... Sinon, mieux... Par contre, faudrait que je fasse des évents. Des évents ici, quoi. Il faut absolument que je crée beaucoup d'évents, en fait. Pour évacuer la matière. Parce que sinon... sinon, ça va être... ça va être l'enfer, quoi. Ça permet beaucoup plus de contact pour démouler. Ça risque d'être galère, non? Faut imaginer, ouais. Ça a essayé. Des fois, je me relis et je pleure pour vous. Simon, tu fais une roue centrale et une pièce qui sert des deux côtés. Bah, ça, quoi, en fait. C'est exactement ça, en fait. Comme ça, tu fais le silicone autour de la roue et tu viens presser. Bah oui, bah, c'est exactement ça. C'est ça, en fait. C'est ça, mais en trois pièces. Comme ça, vraiment, l'idée, moi, c'est que je fous tout autour. Et comme ça, quand je viens presser, en fait... Ça vient éjecter ma matière sur le dessus et sur le côté. Sur le dessous, j'essuie. Et ça a l'air plus fort. Franchement, c'est... je vais vous remontrer la vidéo. Parce que je comprends ça. Et honnêtement, pour avoir fait déjà des moulages de roues, j'avais fait avec un noyau central et avec deux coques ou avec ce genre de choses-là, avec le plongeon au milieu. Ça passe par...
pour l'injection, pour des liquides, ça je comprends complètement. Mais il faut une pince pour centrer le noyau. Parlant de bulles, ça pourrait être intéressant d'essayer une mise sous vide juste après le moulage. Ah, j'ai pas de quoi me faire une mise sous vide, c'est ça le problème. Mais pourquoi pas. Je vous remonte la vidéo. Vous allez comprendre, c'est vraiment, vraiment. Vous voyez comment je la travaille. C'est vraiment une pâte, quoi. Et là, vous voyez comment je galère à placer ma pâte à l'intérieur de ce truc-là, en fait. Et c'est ça qui m'a donné tous mes défauts, en fait. Alors que de l'autre côté, voilà, je viens juste la positionner à l'arrache. Et le pressage, en fait, il suffit à avoir quelque chose de nickel, quoi. Voilà. Donc non, je pense que je vais quand même rester sur cette technique-là. Stop. Je vais quand même rester sur cette technique-là. Et puis après, je vais centrer le noyau au milieu. Par contre, effectivement, il va falloir que je centre le noyau. Un aspirateur et un sac plastique, c'est déjà un peu vide. Ah, je pourrais essayer ça. J'ai des sacs. Ah, j'ai des sachets sous vide. Ouais. Ça pourrait être une solution. Ouais. Ça pourrait être une solution. C'est vrai que ta technique est bien. Ah bah je te remercie. Je sais pas si elle est bien, en tout cas elle a marché. En fait, généralement, quand j'ai une technique qui marche, je me dis que elle doit pas être trop conne. Et donc j'itère sur cette technique. Plutôt que d'essayer d'en inventer une autre. Mais après, c'est clairement peut-être pas la meilleure solution. Hein. Mais ça a marché correctement. Donc je voudrais quand même faire une itération en plus sur cette technique pour être sûr que ça fonctionne bien et potentiellement faire autre chose après, quoi. Si jamais c'était pas forcément hyper efficace. Bon, écoutez, on va essayer là-dessus. On va partir là-dessus. Par contre, il me faut une technique pour centrer le noyau pour que quand je viens de plaquer ces deux pièces-là, là, le noyau, il vienne pas tomber, en fait. Donc pour faire ça, en fait, une technique simple, c'est que je vais peut-être faire juste un chanfrein. Je vais partir sur cette technique-là. Et la pièce ici, elle sera chanfreinée dans ce sens-là. Et l'autre pièce, elle sera chanfreinée dans l'autre sens. Voilà. Du coup, en serrant, clac, clac, ça devrait le faire. Si tu avais un fond sur un des deux côtés, ça raclerait tout seul un côté, non? Oui, c'est possible. Pour éviter ça, tu veux dire? Ouais. Ouais, après, là, le défaut que j'avais, c'était que le noyau, tu vois, il est... si tu vois bien, ouais, le noyau, il était un peu surélevé. Et en fait, c'était une connerie de ma part. Je pensais que ça allait être une bonne idée. Mais en vrai, ça fait remonter la matière. Si j'avais quelque chose de lisse, j'aurais pu donner un coup comme ça. Et comme c'est de la pâte, en fait, ça serait resté bien plat et j'aurais pas eu de problème au final. Deux plats de chaque côté et une rainure. Deux plats de chaque côté et une rainure. Bah ça, quoi. Ça marche bien, ça. Le chanfrein, il va bien me centrer mon système. Un peu comme ce que j'ai là. Hein. Attendez, vous voyez pas très bien. Voilà. Ça me permet d'être bien à plat quand je viens. Ça veut dire qu'en fait, sans les. Voilà. Le principe, c'était que sans les goupilles, sans les vis, je pouvais avoir un guidage. En gros, ce que je me suis dit, c'est que si jamais j'y arrive pas avec les vis. Bon, ça s'est très bien passé avec les vis. J'aurais pu faire ça, et puis avec une pince ou un élastique, hop, on vient plaquer et ça marche aussi. Donc, je vais réutiliser cette technique pour le noyau central, en fait. Ce qui peut être intéressant avec cette technique-là, c'est que du coup, je peux avoir cette pièce-là qui est faite pour 35 mm, et changer la taille uniquement l'impression du noyau central pour ajuster, en fait, la taille intérieur, et donc du coup le serrage sur la jante, si jamais je veux, j'ai pas besoin de tout réimprimer.
Et sur une même jante, je peux avoir, je peux garder le noyau central et avoir d'autres pièces rouges avec des formes et des crémures différentes, par exemple. Ok, écoutez, on va partir là-dessus, ça me semblait bien. On va le faire un peu en modèle crado, dans un premier temps, et dans un second temps, on fera un truc en mode paramétrique. Ok. Alors, il est minuit. Il est minuit, alors pas de live de 5 heures. Hein, attention, hein, pas de live de 5 heures. Et un chanfrein sur le pneu, sur l'extérieur. On va y réfléchir, je pense que ce serait pas mal. Je pense que ce serait pas mal également, effectivement. Moi, ce que je vous propose, c'est, comme ce que j'ai fait il y a une petite heure, nouveau jingle. Wouhou ! Ouais, c'est ça. C'est j'ai besoin de me faire un café. Du coup, ça tombe bien. Prenez un café, prenez une tisane, prenez un verre de ce qui vous ira le mieux. Je pense que par exemple, Kamika, ce sera une bière. Je conseille une shot bistoule à King of Chouf, un petit barba café, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de ce live. À tout de suite.